Le bab camarade ou prend du feu, se mette pas à la trempe. Haïtien fom som, son j'aime te dire nous clairement. De ces sanctions que nous ouais, pays Canada, avec les États-Unis d'Amérique, prend compte, trois oligarques corrompus, criminels, extrêmement puissants, dans le pays d'Haïti, qui pas haïtien, garantit nous, la fait est fait, peuple haïtien. Oui, bon exao long. Oui, yon gen pile moun nan entourage yo. Oui, coalition d'assassins organisé yo bien. Mais m'ap di nou green bagay. Lorsque nous mette kou Sherif Abdalla, qui se yon nan pi gros responsable, yon nan pi gros actionnaire de la Société Banque dans le pays d'Haïti, yon nan pi gros banque kap jere l'argent kidnapping pour kou criminel yon nan pays d'Haïti. Le blanc prend décision drastique pour sanctionner Sherif Abdalla. Papa haïtien, même si nous avons des silences absolus, même garantissons, au niveau que nous avons privé, nous n'avons pas capable de camper. Et bien effectivement, la nouvelle, c'est que Sherif Abdalla sorti dans le silence. Monsieur Palé, Sherif Abdalla sort en notre tête chargée. Sherif Abdalla haïtien, passé haïtien. Sherif Abdalla plaigné, barré tête chargée. Quelque part, je dis nous capables de comprendre, évidemment, si nous même en tant que haïtien, surtout pour les gens qui vivent dans le Brésil, si nous sommes moun, nous garantissons, dans ces sanctions, nous avons un résultat définitif ensemble avec notre pays. Et surtout pour criminels assassins qui participent effectivement dans tout le président pays, ton écrasé. Si nous même ici nous sommes moun, si nous n'avons pas de avec fond d'euros, nous n'avons pas de moun, nous garantissons, nous avons créé tout ça que nous sommes capables pour nous faire façon pour nous libérer le pays, en bas de gang dans le pays, peuple haïtien. Jodi a, peuple haïtien, nous avons tant de moun sur la plateforme Panouan qui est sur la plateforme YouTube et Fobeto. Jodi a, qui c'est 11 janvier 2023. Ça fait nous 18 mois et 4 jours depuis que nous bataille pour nous jouer la vérité dans ce qui est pour avec assassinat crapuleux qui fait sous président pays noir, qui est président Jovenel Moïse. Et mais effectivement, il y a un pile qui ne pense pas que tu as un haïtien qui est capable de faire. Malgré toute intimidation, toute tentative d'assassinat, malgré toute, comme si nous avons dit, persécution, mais nous disons que nous parce que nous croyons que. Avec dossier ça, qui se dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et même quoi que, depuis une kembel, nous garantissons nous, nous avons délivré le pays. Et effectivement, je dis qu'il y a des résultats qui nous commencent à joindre. Ça qui a dit que nous avons joindre, nous, c'est des criminels commencer à sanctionner. Nous qui avons sanctionné la peuple haïtien, c'est des gens qui ont gros l'argent pour touiller le président pays, qui est le président Jovenel Moïse. Et nous parlons de Sherif Abdalla dans cette émission. Parce que c'est une émission très spéciale. Que nous prenons le fait, nous prenons le de oligarques corrompus, mais comme Sherif Abdalla, parmi trois criminels assassins que ont sanctionné, et bien lui-même choisit de sortir dans le silence. Après, notre qui ont été mettre ensemble pour être signé dans le secteur privé, soit disant que côté que vous êtes jour et que vous fait la paix. Vous mettez tête entre eux, vous mettez fin dans la division de entre eux. Mais nous connaissons, l'un qui a divisé quelque part, c'est nous-mêmes haïtiens qui prend balle dans la tête. C'est Jean-Baptiste qui mourit. C'est mon canaran qui prend balle. C'est massacre qui a fait dans le canaran. C'est mon quoi de mission Big Boy qui a subi massacre. C'est gang dans le ghetto qui joue dans pile cartouche, en pile zam pour fusiller mon. Le nègre dans le secteur privé divisé. Ça veut dire que je dis quelque part. Division nègre ça peut pas ici, nous n'avons pas bon pour nous. Et bien de fait, nous-mêmes, qui sommes ici, qui va organiser nous, à nous mettre tête nous ensemble. Pour éradiquer la colonne gang ça qui prend pas ici en otage. Parce que je dis nous, clairement, si nous ne pas faire. Si nous ne faisons pas le jeudi à la même, pita capitrice. Maman petite Marie-Vote, il faut mettre l'appareil. La bonne journée! Aïe aïe aïe! La sinon la mes amis, la va pousser, oh, mais si yo pas d'accord, pour ba nous ça nous vle, oui. Si tu nous dans une situation, nous sommes peuple, nous libres, nous sommes nation, nous sommes ancêtres, nous qui te bataille pour te battre ban liberté. C'est ça qui te coulé pour te battre bouté ça. Lorsqu'on groupe syrien, libanais, palestinien, égyptien, Italien qui débarquent dans le pays, nous avons que ces violences physiques qui ont fait sur nous pour être capable de contrôler le pouvoir politique, pour être capable de contrôler le pouvoir économique. Parce que l'autre monde qui est capable de faire business dans le pays, diaspora haïtienne, petit pays qui a le travail à l'étranger, qui réussit économiquement,
Yo pas ka vin faire business pays an parce que gon colonne gang, parce que gon groupe kamikaze, gon groupe terroriste, yo les des syriens, libanais, palestiniens effectivement qui prend pays an en otage. Yo contrôle douane yo, yo contrôle port yo. Des bon président vini pour dire ou mettre un contrôle sur ça et mais quelque part, y a boulé pas de prince sou, des pour faire tête raide, y a foutu 12 balles, y a cassé deux pio, y a pété deux yo, y a cassé deux points tout, y a crasé crâne, y a colonne vête balou même avec Jovenel Moïse. Calé yeux ndande, bois calé, manchette nous pour nous peuple haïtien. Là chaque grand haïtien cap tande m cap gade m là sur plateforme ça dans moment ça là effectivement ou gen pour devoir prendre responsabilité pour tande effectivement ça que n'a dit et fait ça ça qu'on gen pour faire en tant que haïtien. Écoutez bien, l'on parle de shérif Abdallah, on parle de monde qui extrêmement lourd qui prend partie dans l'économie haïtienne nan, qui cause haïtien souffrir. Et je dis à shérif Abdallah, li gen problème mi s'ap critiquer les médias en ligne, mi s'ap critiquer plateforme média en ligne parce que li croit que aux plateforme ça nuit. Il fait mentir sous lui. Il a crasé moun. Il a fait mensonge. Shérif Abdallah a critiqué plateforme média en ligne. Et bien, attendez bien. Si ça c'est menti, que Shérif Abdallah relève, alors relève moi devant la justice, convoquez moi ou du moins voyons pas péter moi. Shérif Abdallah mon compagnie qui relève Novoum. C'est une compagnie effectivement papa ici avec l'autre groupe criminel yo qui t'a fait 42 millions de dollars américains chaque mois. Dans le gaz dans le pays, comment on fait comme ça? L'État haïtien, dès que c'est l'argent, volant, organisé au criminel, il prend comme l'État, il achète le gaz là. Gaz là vini, il dit l'État m'a fait distribution pour vous. Il prend le prix, l'État n'a jamais compris ça. Prix ça, c'est prix pas. Il fait comme sous comme l'État, le gaz là vini. Gaz arrive dans le terminal là, et bien il dit l'État, moi responsable distribution pour vous. L'État m'a dit comment, il dit pas qu'il y a un problème, mais il faut. N'a pas signé un contrat, m'a fait un dollar sous chaque gallon. Et puis dans le pays, nous consommons 42 millions de gallons de gaz chaque grand haïtien. Nous devons ça. Nous consommons 42 millions de gallons de gaz chaque mois. Ça veut dire que chaque 30 jours, nous consommons 42 millions de gallons de gaz. Et bien, chaque grand haïtien, tu fais un dollar sous chaque gallon de gaz dans le pays. Et ceci, son cop qu'on a fait depuis 50 l'année. 50 l'année. Et je venais de te camper, les questionnels. Monsieur te dit Jovenel Moïse, ça a 50 ans depuis la fête comme ça. Et bien Jovenel Moïse te dit, monsieur, ou gen 50 ans de bois volant, je dis à ça de fini. Tenez bien, n'a continué, papa ici. Parce que c'est dossier, c'est la vérité qui n'a parlé. Donc on facilite pour nous expliquer. Écoutez bien. Effectivement, Shérif Abdallah, c'est un nan qui t'a fait 42 millions de dollars américains dans le gaz là. Plus yon gon 20 à 25 centimes que yon t'a supposé faire la pompe. Et bien yon même fait n'importe 60 combien gouttes dans la pompe. Son l'argent tête chargé. On l'argent ça qui n'a pas réussi pour lui. Il va dépenser un dollar pour lui. Il a brouté comme ça, c'est campé. Mais ça, monsieur qui est compagnie Novoum. Et le compagnie gaz, ça, compagnie gaz là, vient balle l'argent pour rentrer, pour l'investir, pour l'acheter action dans Soje Bank de peuple haïtien. Mais qui côté? Ou alors, il y a des gens qui parlent ici. Qui parlent mes noirs, qui racistes, qui parlent mes nègres. Nègres. Qui parlent mes, comme si Nadjou. Zans qui patrie mes ancêtres nous yo, par rapport avec action que nous te pose. Parce que quand pile là-dedans, c'est des zènes français que yo yé. Yo raï, alors yo raï nous même comme haïtien, parce que c'est yo qui te touye, papa de Saline. Yo gon haine contre nous. Et son haine qui pas fini. Si nous pas foutre marcher prendre ça au gren bagren. Shérif Abdallah, Novoum, nan gaz, 42 millions de dollars américains, l'été qu'on a fait. Le Jovenel Moïse coupe, yo fout Jovenel Moïse 12 balles. Deux pieds cassés, deux poètes cassés, deux yeux pétés, ils ont racheté des grenades dans la tête, et puis ils ont crasé tout le visage, ils ont crasé le vertébral. Le président de la République, ils ont dit, c'est pour payer un cas changé. Dis-moi qui côté Haïti est là, je dis à nous 11 janvier 2023. 18 mois, 4 jours, depuis que nous sommes président. Dis-moi ça. Dis-moi qui côté Haïti. Shérif Abdallah, toujours pas haïtien. Monsieur dans Soje Bank. Soje Bank, une banque qui est criminelle dans le pays d'Haïti. Et c'est deux banques gang dans le pays d'Haïti, deux banques assassins dans le pays d'Haïti, c'est Soje Bank avec Unibank. Deux banques criminelles ou qu'on est, et c'est pour kamikaze que vous avez, des Syriens, Libanais, Palestiniens qui ne foutent pas haïtiens. Shérif Abdallah sont égyptiens, gang criminelle sans que. T'as l'ombre à fort en déclaration, monsieur, parce que monsieur dit en pire parole la plainte. Aïe, aïe, aïe. N'a pas dit Shérif Abdallah, pas l'autre bagaille, non. Mon chef, prends responsabilité. Font-il marcher sous chat de masse là. Ton écrasé, on 15 haïtiens. On 100 haïtiens, t'as quoi avoir à mon château la main, yo. Et puis définitivement, yo t'abord, t'abord, soit habitué. Les filles, nous contactons les gars là, yo c'est les consuls honoraires pour pays qu'on est sorti là, en dedans pays d'Haïti. Yo faut qu'on ait au pire haïtien que haïtien. Yo une machine quoi consulaire pour protéger tête, yo. Qui côté a j'ai consulé les alliés dans business yo lié. Dans le bus privé, yo ke liye.
L'État il se pas une pièce contrôle sur ça. Vous comprenez? Tenez bien. Monsieur dans Soje Bank. Ne revenez moi que faut que tu as fait l'argent enragé dans Soje Bank. Ne vous dit seulement pour nous faire comme ça avec on a des facilités, c'est faire spéculation dans dollar. Faut monter descendre dans dollar enragé. Ne vous prenez là pap là ou grippe dollar 17 hauteur. Un grain de dollar passé à 100 goud. Grain de dollar passé à 125 goud. Jovenel Moïse m'a enragé. Jovenel Moïse dit pas possible. Pour une banque, c'est pour toute banque qui paye à tout le bureau d'échange. Pour changer l'argent pour faire l'argent. Ce n'est pas possible. Jovenel Moïse est le gouverneur de la Banque Centrale qui c'est Jean-Baptiste Dubois. Ça n'est pas une conviction, non, monsieur. Baptiste Dubois sanctionné. Banque sa yo qui t'a essayé comme si nous avons fait de la grippe comme ça. Plus passé, on a un paquet de l'argent, pile en pile l'argent. Et effectivement, il était sanctionné banque. Et avec rapidité, un dollar américain qui était 125 goud, dans moins que une semaine, de la passer avec 70 goud, peu haïtien. Dim ki baguette magique qui fait le descendre comme ça. Tout économiste dans le pays a critiqué Jovenel Moïse par le fait qu'il a dit par un mécanisme pour de la descendre comme ça. Mais quelque part, il n'y a pas de gens qui critiquent les dollars pour monter. Qui mécanisme qui fait la montée comme ça? C'est ce que m'a dit. Quand pas qu'un petit jeune économiste dans le pays d'Haïti, ceux qui sont petits vicieux que vous avez, malheureusement, ils travaillent pour les gars corrompus. C'est les gars corrompus qui font l'autre machine. Parce que l'État pays, il n'y a pas de belles opportunités pour le travail, pour les petits copiers sur les machines. Ils ont tout rentré. En basel corrompu, groupe criminel. Ça veut dire, ils sont des économistes de service. Yo service des oligarques corrompus cap détruit pays yo cap gangrener pays yo mais pas cap parler yo plus prêt pour critiquer yo président de la République mais pas critiquer criminel yo ceux qui vicieux que yo en pile là dans moi préparer là pour y venir candidat à la présidence pas ici en veillant au vert bas parce que nous ouais nous comprenons yo pour ça habiter nous et gon l'autre encore oui gon l'autre massiste dans Pétionville encore qui était député Pétionville moi le chaud là et moi la page fait campagne tout côté au le candidat à la présidence. Oligarque corrompu, n'a guinité, oui, n'a guinité, vérité l'espoir, bonne gang. Écoutez bien, Cheikh Abdallah, dans Soje Bank, n'a pas monté dollar, monté dollar, monté dollar. N'a pas dit tout clairement, monté dollar pas suffit, pour nous faire créer une autre stratégie, pour se nous contrôler tout dollar qui a rentré dans l'économie un peu haïtien. Si je menti, Cheikh Abdallah, a va voir mandat ban moi. N'a pas créé une stratégie. Pour c'est eux-mêmes seulement qui contrôlent tout dollar qui a rentré dans l'économie haïtienne. Ils ont contrôlé chaque grain de dollar qui a rentré dans la poche haïtienne. Qui ça a fait? Ils ont dit, ils ont pris une stratégie là pour que c'est good seulement pour nous bailler dans la banque. Si vous avez folie dollars, vous avez 1000 dollars, vous avez 50 dollars. Vous avez 3-4 000 dollars, vous avez 200 dollars. Mais il n'y a pas plus. Et vous avez dit, passé, papa haïtien. Dossier a crampé là. Ils ont dit, comme diaspora, vous un pile de l'Amérique, nous déjà prenons comme ça dans le transfert. Vous n'avez pas décidé de faire l'argent en dollars. Vous prenez un dollar 50 sous en plus. Ça veut dire que par année, diaspora haïtienne, vous avez plus passé 4 à 5 milliards de dollars américains chaque année. Imaginez, si vous mettez tête ensemble, 4 à 5 milliards de dollars américains chaque année, vous investi dans l'économie. Comme ça, les vins dans la poche, les oligarques corrompus dans Pétionville. Ils ne sont pas distribués dans le pays, ils ne pas fonctionner dans le pays. Sinon, Haïti ne va pas trouver dans ce qu'il y a. Tenez bien, peuple haïtien. Évidemment, Cheikh Abdallah, organisé avec la coalition d'assassins qui est dans le banque, dit nous ne pouvons pas de dollars et nous contrôlons chaque grain de dollars qui est dans la poche, chaque grain haïtien. Nous prenons le contrôle de l'agence depuis la maison de transfert. Parce que, pas oublier, nous tout qui est dans le banque, nous contrôlons la maison de transfert. Nous voulons nous comprendre ça. Yo qui contrôle mes autres sérieux, yo pas quitté mes autres sérieux, bay l'argent dollar et moun yo gen problème. L'argent fini, non prix dans la rue, l'el vient en transfert avec yo bay dans prix pa yo, dans top pa yo. Yo font l'autre comme cause moun yo. Son l'autre, on a crime contre l'humanité. Pas gen pièce moun ki ka rele compte yo. On président rele compte yo tue président pour voir que nèg yo gen comme ça. C'est nous comprendre peuple haïtien. Écoutez, les nèg fin bloquer peuple haïtien dans transfert ou pas bay dollar. On a peuple la vingt un moyen pour que yo fait diaspora ici la famille vont 200 dollars pour yo a l'ouvrant account dans une banque dans Soje Bank pour déposer comme la soit account là pour yo dans souci pour capable prendre en dollars mes amis tendez bien oui là vous 300-400 dollars pour un petit malheureux dans pays ou plutôt famille voyer pour distribuer par plusieurs familles pardon mettre banque là
passer l'ordre avec petit personnel lio qui l'a sous 100 euros dans banque là. Il dit mon gagne 400 dollars, soit le besoin de la balle 50 dollars seulement. Pas balle plus. Si la prend l'autre reste là, la prend en goutte et on balle avec tel taux qui différent par rapport avec taux l'argent hier sous marché là que on mettait sous marché parce que c'est eux qui mettait mon acheter là pour sous marché encore oui. Il va chez l'autre prix t'acheter dans marché sous marché là. Il va les nos prix. Non, mais sous transfert yo. Et en plus ça pas suffit. Yo vin coincé dans banque là encore. Moi dit nous son coalition d'assassins, son colonne gang, son colonne criminel qui prend tout un pays en otage. Écoutez bien, déjà nous avons Pascal ensemble avec nous là, nous allons recevoir Pascal. Et écoutez bien peuple haïtien. N'ego coincé peuple haïtien non, mais sous transfert yo côté que yo pas décidé pour l'argent en dollars. Ou accepter pour prendre un goutte là, le gars de toke yo baoul là. Si par exemple, vous faites 100 dollars américains pour vous, et bien justement, vous prenez 100 dollars américains, vous prenez l'eau, accepte pour prendre un goût de l'an, dans la même maison de soeur, vous décidez pour acheter 100 dollars, et bien justement, vous avez besoin de 115 dollars pour acheter 100 dollars, ou bien 120 dollars pour acheter 100 dollars. Ça veut dire que vous bloquez les papayes sur l'autre côté encore. Vous allez dans la banque, là, vous avez ça, vous avez senti que vous coincez, et bien vous dites, famille, vous voyez 100 dollars pour moi, pour m'ouvrir en 40 dollars dans une banque, dans une banque. Famille, dit pas de problème, vous voyez 100 dollars, vous voyez à l'ouvrir à 40 dans une banque. Le 5 dollars ou 10 dollars pour le ouvrir à 40 là. Le ouvrir à 40 son moyen pour la soif chercher pour libérer tête pour le cash dollar là. Parce que quand il y a activité dans le dollar, surtout pour le cash payé, pour le cash payé sur le Delma, c'est un dollar que vous payez. Et bien, tant de peuple haïtien, la famille envoyé par exemple, on sait que c'est un dollar pour distribuer à toute votre famille. Et pourquoi ça que la banque le fait? La banque le dit nous va le conseiller la pirate parce qu'il a décidé pour contrôler chaque green dollar. Qui va rentrer dans l'économie et qui va rentrer dans chaque grain de poche haïtien. Parce qu'on n'a pas le droit de gagner avec dollar américain. C'est notre crime contre l'humanité. On a parlé de Chérif Abdallah. Il y a plus gros actionnaire de la banque. Nous qui parlons là, qui plaît là. Parce qu'à l'attendre, nous allons parler pour nous tout à l'heure. Écoutez bien, papa haïtien. Et bien justement, quand vous rentrez dans la banque là, vous bloquez Mounio là. Mounio après l'amour. Vous voyez 700 dollars pour vous. Mettre banque là, passer l'autre pour que. C'est 50 dollars seulement pour vous là-dedans. Le l'État décide pour dire mon bagalan, yo c'est président qui picho qui gagne volonté que yo pas ka contrôler et mettre mes cop dehors, yo faut tuer président. Est-ce que nous comprenons? Côté Pascal, Pascal ou pas mal connecté, m'pa connais et ben moi internet ou pas bon. Nous allons recevoir Pascal là parce que nous avons pile point que nous va l'aborder, il est intéressant pour que nous et gagne Pascal là, mais malheureusement connexion internet dans pays d'Haïti ce bagage qui vraiment compliqué, mais n'a pas essayé faire effort quelque part pour nous capable essayer gagner Pascal parce que situation vraiment compliquée, faut que nous parle avec pays, faut que nous parle avec nation. Écoutez bien compatriotes pour yo, et bien justement moun sa qui n'a parlé là qui a coincé peuple haïtien tout côté là, c'est n'est qui dans banque yo qui est sérieux, c'est le Chérif Abdallah Soje Bank. Et bien évidemment le n'a fin fort ça yo gagne contrôle l'argent qui a rentré dans le transfert, il a coincé au prêt comme l'amour. Et puis il a coincé dans la banque encore parce que c'est une banque dans le pays d'Haïti. Là, on vient de sentir que, en pile haïtien, commence à prendre une stratégie pour que l'argent rentre en République dominicaine. Et puis, les gens qui sont belade, les gens qui sont wanamet, les gens qui sont au cap, ils prennent l'argent sous frontière. Et bien, qui ça, la banque fait? Ils ont dit clairement, pour nous capables de contrôler le pouvoir, alors, le pouvoir économique toujours, pour nous prendre l'argent dans le monde. Nous, avec un pile, nous avons voyé l'argent de la République Dominicaine, il y a le prince aux frontières, et nous avons passé, nous avons mis l'industrie kidnapping, l'entreprise kidnapping dans le cabinet sous pied, et nous avons employé la majorité de ces gangs à sa patrie là-dedans. Nous avons fait comme si nous avions exécuté Mounio, prendre Mounio, et puis assez dans le village pour nous, pour nous capables de craser ça, nous capables de brûler la classe moyenne. Évidemment, nous avons fait. Nous avons Pascal en ligne, dossier ça nous prend la bordel, nous parce que je dis là, il est extrêmement important pour que le peuple haïtien connaisse que qui est-ce qui kembe pays en otage, qui groupe criminel effectivement, qui kembe nous même dans grand goût, dans souffrance, qui a contrôlé nous à tous les niveaux de sa guignée pour avec l'argent qui a pris dans la poche nous. Pascal, 11 janvier 2023, bonjour, bonjour, bonsoir Pascal, bienvenue, comment nous y est? Bientôt, mes saluts tout le monde qui est sous gros channel ça. Et nous disons, c'est channel qui dit bagaille aux gens liés et qui l'a pour clairer la population. Parce que je dis, la République prend en otage par un groupe criminel à tout fait, qui dit à tout prix, faut qu'il exterminer toute une nation.
lorsque vous avez fini de tuer le président, vous n'êtes pas content seulement d'assassiner le président. C'est toute la population qui dit qu'il faut que vous tuiez. Et projet à par l'autre bagaille, c'est pour capable de prendre bout de terre parce que vous connaissez qui ça qui caché dans ce sol-là, qui richesse qui vient dans le pays. Et bien, c'est ça que fait. Ouais, je dis, tout oligarque corrompu a poussé griffio bien long. Et je dis, avec toute communauté internationale, là, ils ont caché derrière un certain Ariel Henry qui n'a pas ni titre ni qualité qui a continué à diriger nous. Bientôt, je dis, lorsque le président Jovenel Moïse a parlé des eaux poissons, eh bien, dossier, l'assassinat du président Jovenel Moïse, il a tourné un eaux poisson dans le coup tout politicien. Je dis, à mon grandance, pas de courant depuis après assassinat président Jovenel Moïse. Yo pa won gout kouan la kayo. Et pendant pa gen kouan ni nan grandan se pa kouan même et nan l'autre ville yo son lè konsa yo bay kouan et pendant directeur Choul qui rele Jean Ewol Rose qui c'est Choul Dimitri Vobla a voté gros l'argent mette la kayli et voté gros l'argent côté pour Dimitri Vob parce que nous songe Dimitri Vob te réclamé 50 millions de dollars. Non, mais l'État haïtien, après que l'été fin comploté pour assassiner le président Jovenel Moïse. Ça me le dit, je dis là, moun nan grandans, yo gon sel mot, yo dit, tout autant, président Jovenel Moïse, pas jeune justice, yo pap kampe goumé. Et si oligarque corrompu avec pouvoir rétrograde, l'a empêché justice là-bas, yo même, y a entré dans la formule vengeance là, parce que yo te conjoint pouvoir yo lit, eh bien, depuis oligarque corrompu, yo te choisi. Assassiné président, eh bien, yo pa wè courant, la kayo encore. Et, oligarque continue à frapper. Parce que plan, à tout prix, faut que mène force étrangère là. Nous voyons comment les États-Unis commencent à frapper. La pande faut que l'autre pays qui apprend cette occupation. Eh bien, c'est ça qui cachait des deux drames, ça qui passait dans Kafou Feyer. Côté, environ 4 personnes perdent la vie, sans compter l'autre qui blessé. Eh bien, parmi 4 personnes qui mourent, il y a 2 policiers là, qui mourent là-dedans. Et son message, il voyait bay communauté internationale là, puis il montrait communauté internationale là, que la police nationale là, qui t'a doué pour bay population sécurité, il même yo pas dans l'insécurité. Et l'on a regardé l'image choquant, et où est-ce des policiers en uniforme. Eh bien, nous-mêmes, beaucoup de pas nous voyons ces plans occupation qui ont atterri. Et ces plans, parce que pour montrer, je dis à la vie personne. Connexion Internet. Je dis à pour l'autre garantie, c'est venir avec une force étrangère. Venir avec une force étrangère. Et force étrangère, ça. Bientôt, ou là? Très bien, il était coupé. Reprenne une force étrangère. Très bien. Allô? Oui, oui, Pascal. Nous reprenons pour nous, force étrangère, on va parler. Oui, force étrangère. Eh bien, pour nous être capable de venir avec force étrangère, et puis complot, nous sommes entrés dans des massacres. Et dans Kafou Fey, eh bien, massacre qui fait sous des civils et avec des policiers. Et c'est un massacre qui est entré dans le plan occupation que Ariel Henry a demandé avec tout l'autre malandré qui va côté lui. Eh bien, c'est ça qui à la base assassinat. Et moun sa yo qui fait dans Kafou Fey hier après-midi. Très bien. Et normalement, avant que nous abordions point sa yo, je dis qu'il y a un bagage qui est extrêmement important, Pascal, pour que nous partage, pour que nous traiter ensemble avec la population. Et après que le Canada, avec les États-Unis d'Amérique, effectivement, ait fini sanctionner 3 oligarques corrompus, 3 criminels, 3 assassins, 3 kamikazes, qui pas haïtiens, qui pas un crasse attachement avec le pays d'Haïti, qui juste une seule relation avec nous, c'est peser, mettre pied sous nous, pour briger nous, pour nous faire tout ça que nous sommes capables de produire comme l'argent, et puis pour botter à le serrer dans le pays, parce que nous pas haïtien. À savoir, Chérif Abdallah, Renold Zib, Gilbert Bidjo. Et mais finalement, il y a une coalition d'assassins qui possède des banques dans le pays d'Haïti, effectivement, qui sentit que le touché par le régime de sanctions. Quelque part, je dis, nous sommes capables de voir que M. sorti dans le silence. Et Chérif Abdallah sorti dans le silence, li, côté que M. parlait et de plusieurs bagailles, Pascal. Et avec population, nous prenons faire entendre, alors, un petit extrait dans une émission que journaliste Valérie Numa a fait hier, côté que il a parlé de intervention que normalement Chérif Abdallah a fait. Nous prenons entendre avec population, et puis tout de suite après, Pascal, nous prenons faire un petit commentaire avec population. Entendez avec un peu l'attention. Et puis, n'a pas tourné pour commentaire. Il est très intéressant. Entendez.
Abdallah a publié un texte quand il présentait, il dit c'est shérif Abdallah, ils sont hommes de famille, ou consul, ou entrepreneur, ou philanthrope. Monsieur dit il a accusé comme quoi il est à l'origine de problèmes pays d'Haïti. Monsieur dit il fait au Caire, maman sont italienne, papa sont égyptien. Il est éduqué aux États-Unis et il dit il est toujours considéré tête comme un citoyen du monde. OK, mais Haïti c'est patrie. C'est pays côté établi, côté le fond de famille, côté lancer carrière. Monsieur dit consacrer toute ville n'en fait progresser société ça. N'en fait un ensemble de idéal démocratie libérale prend pied en un pays. Idéal de gouvernance incorruptible côté pas incorruption et il m'a appelé oui. Et commerce international pour yon fait en fonction de ça la loi dit. Je dis installé en Haïti depuis 1981. Il épousé, donc il marié avec Ozan Mil qui était dans l'université ensemble avec lui. Depuis le A, il toujours travaille pour développer une bonne réputation personnelle. Chérif Abdallah dit, il transformé entreprise familiale Madame Ni. Qui était un simple agence d'assurance, il fait le vignon principal agence d'assurance en Haïti. Transformation ça, il pas fait sans difficulté d'après ça le dit. En plus que Haïti son pays qui a pile monde, mais son pays qui a pile défi. Cependant, il pas jamais perdu espoir que Haïti a gagné un avenir très très prometteur. Pendant 4 décennies, monsieur dit l'approfondi lien avec Haïti à travers un ensemble de projets dans le domaine tourisme, dans l'immobilier, dans le secteur bancaire, dans l'aviation, dans le service public, pardon, avec œuvres caritatives. OK? Il dit tout fait dans le même objectif, là, objectif commun, qui c'est le développement économique pays d'Haïti. Chérif Abdallah dit qu'il y a un pile dans le projet qui n'a pas abouti. Mais c'est la nature des affaires, ça qui arrive. Cependant, il est très optimiste quant à un avenir meilleur pour Haïti et ça ne va jamais diminuer, ni dans le cœur, ni dans la tête. En tant qu'entrepreneur, il a un gros sens de responsabilité citoyenne. Il met ses compétences au service de différents secteurs et dans le monde des affaires. Depuis 2012, monsieur exerce fonction de consul général Italie dans le pays d'Haïti. Ils sont hommes d'affaires et ils représentent uniquement Italie ici en Haïti. Chérif Abdallah dit qu'il travaille sans relâche pour faciliter les relations entre patrie maman, qui c'est Italie, avec patrie que le choisit, qui c'est Haïti. En reconnaissance de service, il rend actuel président italien Sergio Mattarella récemment est honoré monsieur en tant que chevalier de l'ordre de l'étoile d'Italie. Depuis 42 ans, Chérif Abdallah dit il travaille dans organisation publique et privée et pour porter réponse à un paquet de crises qui frappe le pays d'Haïti. Il baille en pile temps, il baille en pile l'argent, OK, mais il a toujours été en backup, en arrière-plan. Il n'est pas en nature au monde qui est très privé. Fonctionne en tant que consul, par exemple, avec service public que lui oblige à bailler, en pile fois fait ou parler de lui dans l'actualité. Mais c'est bon, bah, lui remet. Les temps ont changé grâce à médias sociaux, tandis que réseaux sociaux permettent au monde de vin interconnecté, eh bien, interconnection, ça n'est pas faite sans coût. Elle me dit sans coût, ça dit que on va payer pour lui. C'est particulièrement vrai en Haïti. On paye sans répercussion juridique pour calomnie avec diffamation. Donc, selon Chérif Abdallah, ça c'est pas, je ne peux pas prendre personne. Hein? Et Haïti, c'est un pays quand on est cabiné, il dit ça, mais sur n'importe qui monde. Et puis, elle finit par gagner qu'un an et qu'à priver monde ça. Je dis malheureusement, tout le monde qui a une chance, c'est gagner un minimum de richesse. Dans le pays, malheureusement, je soumets tout à verdict opinion publique. Là. Et c'est vrai, ça le dit.
Moi apprendre sur réseau social dans date 5 décembre 2022 ministère affaires étrangères Canada placé me sur liste sanction. Je dis bon, c'est l'information de recevoir 292 mots qui injuste, qui détruit la vie, qui pourrit la vie. Bien que nature accusation que vous portez contre moi yo pas rendu public, même d'ailleurs me dit tout le monde pas mérité pour nom sur aucune liste sanction. M'pas travailler pour ça, m'pas comporter en tant que tel. M'se dit m'pas faire affaire et m'pas posséder aucune entreprise dans le pays Canada. En tant que consul, relation avec Canada est limité à des interactions avec chef mission diplomatique en Haïti. Dans fonction ça, moi aide mission canadienne avec ambassadeur en Haïti yo faire promotion démocratie, bataille contre corruption et puis développement économique. 292 mots ça qui très injuste selon moi-même, yo fait de moi un monde comme si m'dadou qui impliqué dans créer des ordres en Haïti. Mais m'pas même quand même penser si ça raison y est. Canada, bien que yo agi de bonne foi très certainement, malheureusement, yo victime de même bagaille problème fausse rumeur avec mensonge y'a fait sur internet, bay menti sou moun et c'est de ça me victime tout. Gouvernement semblait prendre pression hein, et yo baissé bas suite à critique l'autre pays concernant le traitement que Canada bail. Mais maintenant sanction que yo vinn prendre parce que yo dit sur question de oligarque criminel et russe. Bien que m'pa gen occasion pour m'aborder et accusation scandaleuse ça yo avant que yo te annoncé dans monde là, et moi accueilli avec un peu de chaleur opportunité que me gagner pour me rétablir réputation. Moi pour me dire toute vérité avec transparence, honneur, avec respect. En attendant famille avec moi, nous étions là, nous à la merci de tribunal opinion publique là qui présumait que d'abord nous coupables. OK, et qui pas quoi dans aucune application procédure judiciaire régulière. 42 ans que me passe en Haïti à travailler sans prendre souffle, patriotisme avec bataille moi qu'on a mené pour la paix avec démocratie dans pays ça, eh ben en pile monde qui a prouvé ça et résultat qui a prouvé ça. En pile effort que me fait et avec entreprise moi et tout atout que me développer à travers pays à toute fouille là tout ga wayo yo pas caché je dis à tout effort ça yo c'est de ba yo craser à terre plate dans la boue à cause de intérêt invisible sans aucun fondement. Comme toujours la foi avec espérance moi c'est eux même qui a salué convaincu que justice a triomphé dans dossier pam dans tout au moins ça c'était shérif Abdallah. Et même gens ont paquet de monde nous aussi très certainement qui t'a capable faire même des marches là nous songer nous te bord et lecture position et Jean Risséan nous te bord position et sénateur Joseph Lambert nous te bord position sénateur Yuri La Tortue. Ouais, il suffit que yo parce que songer me dire ça quel que soit mon nom même si ou t'es et accusé de tous les maux d'Israël, mais il a droit à en défense, il a droit à défendre tête li, et il a droit d'abord qu'on est qui soit reproché là, il a droit qu'on boule le détail, yo, il a document la main pour que dal préparer défense li. Parce que ouais ça fondamental. Son j'aime toujours dit ça, et c'est pas faute nous, c'est comme ça la justice doit bailler, c'est comme ça la justice doit rendre, c'est pas juste condamné au monde sans que il pas possibilité pour que le temps de soit reproché de la soirée contre lui. Maintenant, une fois que toute preuve réunie à ce moment-là, par un problème, verdict là prononcé de manière formelle, malheureusement, si nous ne prenons pas l'habitude de sanctionner les gens en Haïti, nous ne pas priver là. Tout ça va pas priver là. Le ça, conseil de monde aujourd'hui, cap dit, il n'y a pas contre ça à reprocher, il n'y a pas contre ça à accuser, il n'y a pas même de chance pour venir dire ça parce que tu as pris un débat. Ya! Il t'a pris en dedans. Donc, comme t'es qu'on laisse aller, c'est la culture de l'impunité. Tout le monde fait ça, les personnes va sanctionner. Et bien voilà, nous vivons une société sans sanction, qui vient faire que quand il y a Jodia, le étranger a décidé de mettre sanction, laisse ça aller, il vient étranger pour nous parce qu'il n'est pas habitué avec elle.
Comme si c'est pour une fois nous rendons compte qu'il n'y a pas eu de sanctions. Alors que, il y a une quantité dans nous vrais qui méritait sanctionner, justement. Et ce n'est pas abus d'affaire. C'est pour ça que je te fais introduction dans la deuxième partie, pour m'attirer attention sur ça. Je me dis, nous, attention. Attention. Ou bien il y a des moyens, ou bien il y a des ceci, ou bien il y a des cela. Ou bien il y a toujours, il n'y a pas Abdallah, il faut qu'on quantité de bâle, etc. Oui, mais. Gabon Ultra. Gabon Ultra, c'est un tout nouveau produit qui sort dans le laboratoire. Il est là pour combattre ça et les dysfonctionnements érectiles, ça veut dire pas qu'un petit tout. Il y a 15 capsules là-dedans. Il est fait pour prendre une capsule 30 minutes avant de faire bagarre. Yo ele sa yon dynamogène action rapide. Pas oublier que li remplace 3 produits Gabon yo parce que li pi puissant. Peu probablement que des trois moun ko courant de ça le faire et cetera. Que des trois moun k ap travay, que des trois moun ki oui d'accord. Mais qu'on y a l'opre les riches d'Haïti et qu'on y a l'opre les gens pays pauvres. Ils ont juste annoncé que il y a possibilité de faire monde quitter pays. Presque tout Haïtien décide de vouloir quitter pays. Mais nous, même si nous avons possibilité de toujours là dans depuis 40-50 ans, bon bagay nous joindre là dans de toute façon. Donc, partage la main qui est faite. Et c'est ça qui va résultat ça. Écart là trop grand qui fait que des pour grand nèg parler malheureux puissant viralon on catcha pika sous lui parce que li raillou parce que l'estime que s'il pas gagne du tout c'est parce qu'on prend trop pour même. Effectivement, moi prend petit commentaire ça après Valérie Nima te fin interpréter déclaration et soi-disant homme d'affaires criminel ça chef de gang ça le chef Abdallah et Pascal. Nous prenons un commentaire et normalement Valérie Nima. Mais nous capables de population comprendre effectivement ce qui a passé là. Première chose que m'a souligné pour peuple, m'a dit que sanction que pays Canada prend et Pascal li fait y effet. Li fait y effet sur nèg yo. Est-ce que comprendre li rend monsieur pas confortable. Parce que c'est Canada, c'est son puissance. Est-ce que comprendre ça m'a violent. Son puissance qui prend sanction contre un nèg qui débarque dans pays qui 42 ans. Et évidemment, quand vous avez des richesses dans le pays, vous avez une trajectoire pour vous avoir l'argent dans le pays. Vous avez un contrôle pour vous avoir dans le pays. Vous avez un niveau de masse peuple pauvre. Vous avez des écoles. Vous avez un niveau nous riches sans camper. Et puis vous avez une pauvre net. Et puis ça ne va jamais suffire. Comme si nous venons mettre kidnapping. Pour nous rançonner tout petit monnaie que vous possédez dans la vie. Tout petit caille que vous avez gagné, vous avez vendu pas forcé. Et nous mettons les gens pas en bas à acheter terre dans le pays. Là nous venons kidnapper. Ça veut dire que quelque part, Pascal, il y a des crimes qui ont fait, là, nous contrôlons le système judiciaire, nous, pour ne pas jamais garder nous dans les yeux, pour ne pas me faire noyer, parce que c'est nous pour faire juge là ou l'autre machine, c'est nous pour faire juge là, dormir dans le chambre, c'est nous pour aller à l'hôtel pour le dormir, c'est nous pour faire le manger dans le restaurant, nous pour contrôler tout juge dans le pays. Et bien évidemment, mais si vous pensez que comme si le monde est au niveau de la. Comme si le monde est toujours allé comme ça, comme si de génération en génération, c'est petit en petit pour ça de continuer à faire. Non. Et définitivement, crie papa ici, hein, à travers les réseaux sociaux, et ça, le bail que nous avons souligné, Pascal, nous avons fait la population connaître que, yo même capteur de là, cap gardé là, m'bat bravo pour vous. M'bat bravo pour vous par le fait que, vous suivez la plateforme YouTube et Foubeto, vous suivez les médias en ligne. Yo. Parce que ce qui s'est passé, Pascal, et fait que nous avons sanctions en fait là, c'est par rapport avec les réseaux sociaux qui kembe, dossier ça en main, et qui fait que le prend dimension qu'elle prend, ou du moins, ça fait que vous venez sanctionner les tout, parce que nous dénoncer un niveau qui est capable de dénoncer. Yo. Pascal, nous allons faire un petit commentaire ensemble avec sous déclaration et chérif Abdel ensemble avec la population. On va commencer. Il va commencer. Et il n'y a pas de qui m'a dit dans la question ça. Aïe, Pascal a coupé, il a coupé. Et chérif Abdel là? Ah, ok. Où là? Où là? Où là? Oui, où est-ce que là? Ok. Et il n'y a pas de qui m'a dit dans la question chérif Abdel. Ça pour chérif Abdel qu'on est. Seulement Canada, non? Qui était en Canada, ici, que Chérif Abdallah a financé gang, il a volé, il a corruption, dans toute action malhonnête dans le pays. C'est dans le Conseil de sécurité, sanction à prendre. Parce que qui est-ce qui demande à Madame Lalim, yon a marraine gang, yo, marraine moun qui a subventionné gang, yo, et bien qui t'a demandé, yo, qui demande l'ISTA, c'est là où ici,
et la Chine. Effectivement. C'est ça, oui, pour chérie, il va la pavine jouer avec moun là, pour la venir faire, je cherche, pour la montrer, soit bio, Feli, ses réseaux sociaux. Non. Pas une question de réseaux sociaux. Ce n'est pas dénonciation sur les réseaux sociaux, ni c'est pas clameur, s'il n'y a pas accusation. C'est dans le Conseil de sécurité. Hein? Eh bien, la Chine et la Russie, ils ont dit, pour voter résolution, il faut que vous soumettez la liste chef de gang, la liste tout le monde qui a subventionné la gang en pays. C'est comme ça, la liste là, qui a pris devant le Conseil de sécurité. Hein? Eh bien, avant même que. Des pays qui ont voté résolution, ils ont toutes les listes, toutes les gangs financés gang en pays. Ça veut dire son bagage qui prend au niveau et Conseil de sécurité. Ça veut dire qu'ils ont un paquet de pays là-dedans et nous connaissons la Chine et la Russie, ils ont un droit de veto là-dedans. Exactement. On parle de la Chine, on parle de la Russie, on parle de gros taux. Oui. Ils n'ont pas prendre n'importe quel bagage. Ils n'ont pas influencer la décision. Non, ils n'ont pas capable. Et bien, c'est eux qui te dit non. Avant que nous votions, nous ne pas voter comme ça. Il faut nous connaître toutes les gangs. Qui a financé gang en Haïti, il faut nous connaître tous nos chefs de gang. Parce que, regardez Chérif Abdallah. Chérif Abdallah, moi, tant de journalistes là, dit un bagage qui est important. Si la justice commence à sanctionner un paquet de gangs dans le pays, je dis, il n'y a pas de logique, c'est ça, il y a sali majeur, c'est caractère, il y a détruit, c'est mon gars qui fait mentir sur vous. Vous ne connaissez pas bloquer la justice là. Il y a un pile de monde qui te pense, lorsque le président Jovenel Moïse te dit, ils ont forcé le nommer 50 juges corrompus. En plus, nous ne comprenons pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Les juges, là, qui est-ce qui présentait les juges et les juges pour président nommé? C'est le Parlement présenté. Oui. Parlement, qui est-ce qui mettait? Qui est-ce qui mettait Mounsa dans le Parlement? Ben, les oligarques corrompus. C'est pas même. Eh bien, les oligarques corrompus, ça veut dire juges, pas capable des juges corrompus. Parce que lorsque le Parlement fait choix de juges, il voit le président et le président n'a pas de choix. C'est nommé pour le faire parce que c'est si le Parlement a un pouvoir nominatif, c'est le Parlement qui a tout nommé, il a fait lui. Comme c'est le président qui vient s'arrêter le pouvoir nominatif, et bien, vous voyez, équipe corrompue. Et si le président pas voulu voter, pas voulu publier, pas voulu nommer, juste ça, ou pas qu'on n'a pas un paquet de choules, un paquet de raquettes dans le pays, après il dit, le président viole la constitution, faut que le président le mette en accusation. Effectivement. Parce que c'est là où il bagaille là et là. Je dis à là, on pas quoi on équipe nèg pour nèg yo mené un pays dans ça là et tout monde connaît si n'était gon secteur privé qui t'a investi nous pas de gon secteur privé c'était gang qui t'a financé parce que on quoi Chérif Abdallah joue avec tout monde dans pays là je dis à là Chérif Abdallah dit li pas dans subventionner gang li investi li permet démocratie avancer je dis à là après 42 ans que Chérif Abdallah taille bandan dans pays là tout monde pas manger dans pays mes amis te pour jouer l'hôpital général. L'hôpital général fermé. Parce que monde qui connaît côté, complètement, ça veut dire, son monde malade dans le pays, par contre, qui côté pour aller prendre soin de santé. Je veux dire, dans un pays qui est en bas fatra. Je veux dire, dans un pays, majorité de monde qui est à l'école. Et souvent, c'est dans le quartier populaire. C'est dans le quartier de non-doyaux. Ou est-ce que c'est des bagages qui sont vivables? Et parce que, invivable, ce n'est pas dans la période de guerre là où vous venez vivable, non? C'est des quartiers qui étaient déjà invivables. Ça veut dire, l'autre zone, la saline, l'autre zone, cité soleil. C'est même côté cochon, cabrit, toute vieille bagaille, matière fécale. C'est là où vous avez vu, c'est là où vous levé, oui. Ça veut dire, vous êtes conditionné pour que ça qui n'est pas ça, devine des criminels, oui. Mais qui est-ce qui peut qui t'empêcher? Et travail fait dans le quartier populaire, c'est investissement fait. C'est avec ça que tu as voté tout l'argent dans l'État qui t'a dû investir dans des projets de logements sociaux. L'argent t'a dû entrer pour construire l'hôpital dans le pays, pour faire route dans le pays, pour mettre le peuple à courant dans le pays. C'est avec ça que tu as voté l'argent. Ça. Effectivement. Et il y a une façon de voter l'argent, ou t'en dis, il y a un bon au niveau BRH. C'est là l'argent en beauté. Bon au niveau B. Bon au niveau BRH. Et au niveau budget. Tout le temps, grosse somme paywa, il n'est pas entré en dans le budget, pas qu'on grain parlementaire qui a voté budget. Jamais, pas qu'on grain parlementaire. Ça fait mon map de ton écrasé, c'est un tsunami pour passer en bas, le groupe volant, ça a réuni en bas. En vérité, mon Dieu. Parce que n'a pas été population, ok? Parce que pour nous comprendre, je dis à obstacle là. Je dis à là, avec une équipe oligarque corrompue, une équipe criminelle, assassin comme ça, en quoi? Nenel Kassi clair, il y a 20 ans, ami avec ça, le Renault Dib. Eh bien, toute décision, monsieur, qu'on a pris dans le Parlement, pour qu'est-ce qu'on a pris? Pour Renault Dib? Évidemment, pour Renault Dib, pour Zamili.
on prend Don Kato, tout l'orbeille, dit qu'on fait méga fun, fait l'orbeille tirer pied. Pour qui est-ce que tu as pris des choses? Il va t'apprendre pour la nation. Mm-hmm. C'est pour Dimitri Vob. Ça veut dire, son, lorsque le Parlement était ce symbole, ça veut dire son repère de gang, un repère de bandit. Qui est-ce qui voit Moun? Drogdile, qui est-ce qui voit Moun Zayou en de Parlement? Il y a tout, il y a des combossions, c'est les oligarques corrompus en de pays. Effectivement. C'est ça qu'il faut, ouais. Pendant tout ton mandat, président Jovenel, là, yo campé, yo fait obstacle avec tout projet qui va aller dans l'intérêt national. Population. Eh, hey, on regarde, bon nèg là, je dis à Fon Citénol, c'est Rockefeller Vincent. Mm-hmm. Rockefeller Vincent, comme ministre de la Justice, son nèg qui t'a loin pas conduit. Comme ministre de la Justice, un président mouri, non, j'en mouri, hein, ministre de la Justice, détégué comme question renseignement, non, mais il n'y a pas de fond, non. On regarde, c'est mon projet pour construire le tribunal en d'un pays. Ou pas qu'on est Patrick Boisvert, qui mettait tête avec Rockefeller Vincent. Malgré le président de la République, il a demandé pour qu'il y ait des cobs qui n'ont pas allé dans le budget pour construire le tribunal, pour construire le bureau état civil. Ou pas qu'on est Patrick Boisvert, pas de j'aime de caisser comme ça. Et là, le ministère économie et finance, pas de caisser comme là. Comme ça, son comme, il y a réservé puis ben les oligarques conduits. Et faut que tout le monde comprenne. Lorsque le pays a lui-même lui fermé, je le ferme pas qu'il y ait développement, par aucun ministre économique et finance, pourtant c'est le président de la République qui va lui, toujours c'est oligarques conduits qui mettent le ministre de la finance là. Et le ministre de la finance là. Ça peut être facilité pour aucun Boisvert là. Et bien, Boisvert, c'est oligarques qui te mettent. C'est pas John, président Jovenel Moïse. Donc, toute action Boisvert, c'est action contre le président Jovenel Moïse. En point, joute toujours mes têtes et à Boisvert. Il dit même si le président m'a demandé de décaisser comme pour aller construire lycée. Nous sommes les présidents de la Jovenel Moïse te dit faut comme quitter là pour question parlementaire qui n'a pas pris glan en bas. Il dit comme ça pour aller investir pour construire un lycée. Comme là, t'es là, oui. Comme ça, c'est au niveau finance. Joute avec Boisvert est bloqué comme ça, oui. Et c'est pas puis on t'a montré c'est président parlant de oligarque et Pascal gros exercice là qui est extrêmement important hier nous t'ai commencé faire mais je dis là nous trouver dans l'obligation pour que nous faire pour que les populations comprennent mieux qui s'est passé n'a parlé de Chérif Abdallah là maintenant Chérif Abdallah 42 ans dans la Coupe d'Haïti il dit que il aide pays ça pour économie avancée il aide dans question bagage touriste il aide dans question bagage aviation. N'a pas qu'un bagaille, qui rapport avec aviation. Ok. Monsieur dans le secteur ça. Pascal, est-ce qu'on pense que c'est l'argent l'État pas gagné pour t'acheter de l'hélicoptère? Est-ce que vous comprenez? Tenez bien. Mais qui ça fait l'État haïtien pas acheter de l'hélicoptère, peuple haïtien? Écoutez bien. Gounoum qui relève Chérif Abdallah dans le pays. Eh bien, nous ça. L'organise dans le pays, quel que soit président qui monte, premier ministre qui monte, eh bien, ou gon contrat pour qu'on signe ensemble avec elle. Contrat ça, souvini jeune ni là ou pas ka couper. Li doué ou doué continuer. Qui contrat qu'elle lié? Par le national, pas gen hélicoptère, pas gen avion. La primature, pas gen hélicoptère, pas gen avion. Eh bien, c'est Chérif Abdallah qui gen hélicoptère dans le pays. Sou besoin avion loué, c'est lui même capable de prendre dans le monde dans la Dominicani. Pour vin loué dans le pays d'Haïti. Chaque temps de bien, leur président Jovenel Moïse qu'on a volé. Dans l'hélicoptère dans le pays d'Haïti, un peu haïtien. Tenez combien de cobs ça compte lui. L'icône $26,000 américains par un peu haïtien. Des fois, nous avons monté $36,000 américains. Et là, pour le président pète discussion avec Chérif Abdallah contre la coupe, c'est $36,000 américains que l'État haïtien a payé par un des temps. Écoutez bien. Minimum temps pour l'État haïtien de faire contre ça, c'est pour un mois, un peu haïtien. En entendant ça, pour payer. On nous dit c'est une heure de temps qui pour $36,000 américains. On nous prend une heure de temps ça pour nous dire, n'apral, alors, dans un jour, il y a 24 heures de temps. On nous dit c'est $36,000, ça multiplie par 24 pour haïtien. On nous dit c'est $36,000, ok, on a regardé le chiffre là, sur l'écran, multiplié par 24 qui c'est 24 heures de temps qui va un jour. On a 24. Égal peuple haïtien. Ça baille $864,000 américains
que l'État haïtien, que par les nationales ou du moins la primature, loue un hélicoptère dans le shérif Abdallah. Vous entendez, Pascal? Voilà, oui. Justement, l'État haïtien a fait contrat ça pour un mois minimum. Mais par jour, l'écoute l'État haïtien, 864 000 dollars américains, peuple haïtien. Est-ce que nous comprenons bien? Presque 1 million de dollars américains. Ça veut dire, c'est comme qui t'a doué là, qui t'a bon plusieurs hélicoptères. Plusieurs hélicoptères. Écoutez bien, on nous prend ça, Pascal, par le fait que nous avons parlé de contrat minimum, c'est un mois. On nous dit que c'est 864 000 dollars américains, ça. Qui c'est pour un jour, on a multiplié le par 30, qui c'est un mois, peuple haïtien. On nous dit 864 000 dollars américains, multiplié par 30, peuple haïtien. On a les. Mes chiffres là. Pascal, dans un mois, ça veut dire 30 jours, Chérif Abdallah fait avec l'État haïtien, avec la présidence ou bien la primature, il fait 25 920 000 dollars américains dans 30 jours, Pascal. Dis-moi comment, à 42 ans, pour payer sa pata pauvre, pour masse peuple à pata comme si nous avons prêt pour manger la boue tellement dans grand goût. Dis-moi pas qui moi l'État est capable d'occuper peuple, Pascal. Dis-moi pas qui moyen. Mais combien de yon égyptien, maman c'est italienne, li pa ki crasse attachement avec pays d'Haïti, li juste pour un chapeau consul Italie met sous tête li, pour ka passer droit, pour ka rentrer zam nan pays, li fait toute qualité avec malhonnête, sans que pièce moun pa ka poser la question, parce que li gen plaque machine li qui se pas consulaire, li son agent consulaire, sans rendez à tout. C'est comme si ça nous capable les services consulaires ça sans en dedans bus privé que lié pas de pièce nous gagne contre sur lui son mise qu'elle gagne pour un chapeau pour contrôler le pays là. Mais combien comme Pascal yon nèg a fait dans un contrat hélicoptère avec l'État haïtien chaque mois 25 920 000 dollars américains. Écoutez bien, on ça passe Pascal, moi parle avec deux amis dans diaspora, yo fait me connaît que chaque mois avec comme ça minimum l'État caché n'importe 4 à 5 hélicoptères, Pascal. Et ouais, comme ça, 25 millions de dollars, et puis ça, il t'a bon hélicoptère. Pendant un mois, où t'as possédé l'hélicoptère, où t'as besoin de lui, non, mais, et reste comme là, pendant chaque mois, où t'as pris comme ça, pour construire l'école, l'hôpital, où t'en as payé. Ça me dit, je dis, si je n'ai pas un hélicoptère, je dis, là, nous sommes capables de faire des hélicoptères, des hélicoptères pour permettre l'armée. Effectivement, c'est là que nous avons arrivé. La question, quartier populaire, tout pays qui est gangsterisé, qui est même avec international ou gangsterisé, nous sommes capables de résoudre. Payer les policiers, plus bien, équiper plus bien, avec l'argent ça. Nous sommes capables de construire l'école, nous sommes capables de construire l'hôpital en d'un pays. Eh bien, si en d'un pays, nous n'avons pas gagné un service social de base, eh bien, c'est Chérif Abdallah. Effectivement. Je dis à la, si. Pascal a coupé, ma monsieur. Parce qu'elle a coupé, c'est garder. Ou bien, ou même, ou mourir, pour question. Et pour question. Soins santé, eh bien, c'est Chérif Abdallah. Chérif Abdallah qui cause. Kounia n'a pas avancé, Pascal. Parce que, écoutez bien, le contrat s'est fait, moi, m'a rappelé, la dernière fois que ça a été coupé, c'est trois mois, contrat que Jovenel Moïse ouait. L'argent, ça, les trois cobs, il n'y a pas de continuer le contrat. On nous dit, c'est 25 millions de dollars, 25 920 000 dollars américains, multiplié par trois. Ça veut dire trois mois. Et là, le contrat a pas coupé tout, parce que Jovenel Moïse pétait coquet. Vous comptez combien comme ça fait, Pascal? Pour 3 mois, ça veut dire 90 jours, Chérif Abdallah fait 77 760 millions de 760 000 dollars américains. 77 767 60 000 dollars américains pendant 3 mois sous deux peuples, ça, Pascal, ou abgade qui n'a grand goût. Si moun pas qu'à l'école, lycée, yo, professeur pas qu'à toucher, dans le tribunal, juge pas qu'à toucher, la police pas qu'à toucher, cap de sécurité de la société, dans la rue de Brest, bien qu'en pile là ou dans le volant. Regardez-nous, si personnel qui travaille dans l'hôpital général pas qu'à toucher, obligé à faire grève. Mais Chérif Abdallah, comme ça, Pascal, nous avons fait depuis plusieurs années dans le pays. Quand nous avons fait ça, nous avons fait ça pour le peuple, là, toujours, Pascal. Monsieur, dans trois secteurs dans le pays. Écoutez, dans n'importe quatre secteurs. Monsieur, dans l'hélicoptère. Monsieur, dans le secteur bancaire. Monsieur, dans la question de gaz.
Et puis il y a un compagnie assurance li pour la broter l'argent dans le pays à Pascal. On nous prend l'autre partie encore. Qui c'est dossier gaz là Pascal depuis 50 l'année. Oui, depuis 50 l'année nèg ça va faire 1 dollar sous chaque gallon gaz dans le pays à. Par conséquent nous consommer 42 millions de gallons gaz chaque mois dans le pays ça Pascal. Écoutez bien. Eh bien. Très bien, finalement, ils sont bien pour nous capables pour eux. Eh bien, c'est ça que fait, ouais, gouvernement de facto, 2 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, lui remettre monopole importation de gaz là avec la tête de ou criminel ça. Effectivement, ça c'est dit la fait. Il a récompensé pour l'action qui est opposée, qui c'est assassiner le président. Oui, il dépense un pile l'argent pour le président. Eh bien, c'est ça, oui, de livre. Elle totalement gaz dans les maintenant la monopole là. Ça veut dire que c'est au contrôle, c'est au couper rachet dans la question et importation de produits pétroliers. Et puis, tout le monde toujours créonné. Gaz sont produits stratégiques et transversales. Et bien, on produit stratégique et transversal, pas capable de mettre des raquettes dans le secteur privé. Lorsqu'on a un produit important, comme ça, dans mon équipe criminelle, et bien, c'est population ou dit, négo, tu es tout le monde dans le grand goût, tu es tout le monde en classe, eh bien, je dis à ces sacs, je dis à vous lever, ils ont plate à l'équin à 2500 gouttes dans le pays d'Haïti. C'est là le monde qui a mangé pendant la journée. Il y a des gens qui passent toute journée, ils n'ont pas mangé. Et puis, demain matin, ils ont levé, ils n'ont pas mangé encore. Non. Je dis à un pile si le monde qui a l'école là, c'est tombé, il a tombé grand goût sous l'école, oui. Pendant tant de gros l'argent, ça y est, dans mes négociations. C'est ça que font, ouais. C'est ça que font, ils ont mandé le gouvernement criminel là. Augmenter prix gaz. Chaque semaine, bon ajustement. Bon ajustement qu'a fait. Et là, ouais, yo bouqué dans la question ajustement qu'on y a créé un raté artificiel, qu'on y a gaz pas vendu dans la pompe en Haïti, non. Gaz vendu dans la rue, 2500 gouttes, 3000 gouttes, jusqu'à 5000 gouttes dans la pays. C'est ça, fait. Très bien. Ça veut dire que, que Chérif Abdallah, c'est un criminel assassin qui est dans la souffrance, dans la douleur, dans la calamité qui nous trouve là pour le moment. Ça veut dire que si nous connaissons que nous avons quelqu'un qui a pensé ensemble avec elle, qui mettait dans la situation que nous devons là, qui est grand dans sa peuple haïtien. Monsieur le shérif Abdallah. Shérif Abdallah. Son chef de gang, son criminel, son kidnappeur, son assassin. Parce que il est dans tout secteur. Nous parlons pour l'autre secteur ensemble avant là, qui est extrêmement important pour que vous connaissiez de qui est-ce qu'on a parlé. Parce que citoyen ça, il est extrêmement puissant dans le pays, qui en pile monde pas vraiment connaît. Parce que lui-même nous dit ça clairement, pas vraiment monde qui connaît. Parce que il est toujours dans le background. On va aller dans le secteur, ça qui vient pour avec le secteur pétrolier. Pascal, tenez bien, peuple haïtien. Dans le pays, n'importe qu'on a fait, alors 42 millions de dollars américains sous gaz là chaque mois. Ça veut dire que 1 dollar américain sous chaque gallon. Hey, Beto, vous précisez que vous mettez dans 42 millions. 42 millions de pas avant gaz là non pour oui. Exactement, de pas avant non pour oui. Après ça, vous le comment encore oui. Depuis la commande, oui. Depuis la commande, mais là. Depuis avant le vin dans le terminal là. Exactement. On a à qui combien fait commande gaz là? Comme l'État, oui. L'État ici. Comme l'État ici. C'est grave, c'est extrêmement grave, oui, Pascal. Eh bien, les gaz fins, ils ont fait 42 millions, non? Ils ont fait 42 millions depuis la commande là. Depuis la commande là. Eh bien, mon chien n'a pas avancé. Et 42 millions de dollars avec les appels parisiens, ils ont fait depuis 50 ans dans le pays. Eh bien, je vois Moïse qui vient, il dit, bon, à quelle fin? Pour l'État haïtien qui est comme blanc, l'État haïtien est capable de créer un moyen. Parce que je vois Moïse qui font bagarre intelligent. L'État haïtien n'est pas de compte qui prie. Gaz la vente sur le marché international là. Le gaz a monté, l'État pas connaît. Le gaz a descendu, l'État pas connaît. Pendant ce temps, l'État toujours paye même comme blanc pour acheter gaz. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, Jovenel Moïse font coup de patte dans l'international là, avec 2 ans, parce que Jovenel Moïse sont qui toujours fouille dans le calabou, j'ai des amis qui connaissent pour jouer des formations. Eh bien, quelque part, Jovenel Moïse, j'ai une bonne information, mais qui prie gaz la vente dans tel marché, mais qui considère ce gain. Eh bien, Jovenel Moïse dit, si l'État a gagné gaz là, l'État a fait contact. Pour le connaître compagnie, qui ça fait l'État pas commander? Pour ça, son monde qui est obligé de commander pour l'État. Jovenel Moïse dit, faut que nous ayons un dossier gaz là. Et bien, il dit, président, qu'on contrat si oui. Jovenel Moïse dit, pas une question de contrat, n'a pas coupé. Et pourquoi ça qui passe? Je paye a commencé à bouler. Ou commencé à jouer de Michel Abjapé. N'est le cas major Michel Don Kato Chile Ludor. Et valia bon plan. On y collé. Don Kato, Ravetio, mon rage n'a pas de prise. Qui s'est passé? Parce que contrat gaz là. N'a pas rappelé dossier ça, Pascal. Et le président Jovenel Moïse coupé contrat ça, mois de mai 2020. Mois de mai 2020, contrat gaz a coupé dans le pays d'Haïti. Mois de mai 2020, coupé contrat les gars, il coupé. Et il y a une bagaille pour nous dire à tout le monde, tout gros channel ça.
trois noms ça yo où la communauté internationale a fonctionné, yo c'est sous table avec Jovenel Moïse. Effectivement. Exactement, garçon. On a bien parlé, Pascal. Eh bien, mon avancé n'a pas tourné sur ça, pas blessé, on a dit. Marquez ça. Écoutez bien. On a parlé de 42 millions de dollars américains, papa, ici, qu'on a fait dans le pays. Et dans le pays d'Haïti, Jovenel Moïse, fin de ce cours comme ça, trop. Tenez bien, oui, c'est pas qui grave, oui. 42 millions de dollars américains, ça, papa, ici, l'a fait chaque 30 jours. On nous dit que c'est 42 millions de gallons gaz, 1 dollar sur chaque gallon, fait 42 millions. 42, et puis 6-0. Mais, papa, ici, 42 millions. Eh bien, par le fait que. 42 millions, c'est pour un mois. Mais on faut multiplier par 12 mois. Parce que une année, c'est pour 12 mois lié. On nous dit que c'est 42 millions multiplié par 12 peuples haïtiens. Mais combien comme ça a fait dans le gaz là chaque année? 504 millions de dollars américains. 504 millions de dollars américains. Et bien, comment ça passe? Nous avons toujours fait calcul ça sous chaque mandat présidentiel. Yon quinquennat. C'est-à-dire que 5 ans. On s'est passé au même, nous allons faire comme ça, multiplier par 5, qui c'est un mandat présidentiel, peuple haïtien. Mais pour ça, chérif Abdallah met gros comme leader tout et Jovenel Moïse. On nous dit que c'est 504 millions, multiplié par 5 ans présidentiel là. Mais combien comme ça baille pour yon nek chaque pour yon qui n'a Gaza seulement, chaque mandat présidentiel? On a qui n'a Gaza seulement, oui? Chaque mandat présidentiel, mais combien comme il fait? Il fait 2 milliards, ça veut dire l'opère des premiers chiffres qui est devant. Depuis 9 autres chiffres derrière, mais justement, premier chiffre devant, vous représentez 1 milliard, peuple haïtien. C'est 2 milliards, 620 millions de dollars américains, Pascal, peuple haïtien, famille de plateforme YouTube et Fubeto. 2 milliards, 520 millions de dollars américains que nous avons fait dans le gaz là, chaque 5 ans, chaque mandat présidentiel. Chaque 5 ans, on parle de gaz seulement. Nous tenons un dossier qui sont hélicoptères, et bien nous prenons ça à lui-même. Qui c'est gaz là? Nous prenons un mandat présidentiel qui c'est chaque 5 ans, mais combien de cobbes fait? 42, tenez bien, l'on nèg là, on va faire comme ça pendant 42 ans dans le pays. Comment nèg ça te capable faire tout le président? Et bon, ça passe? Le président coupe ça, nèg tué président le 6 pour 7 juillet 2021. Et bien quelques mois après, nèg vient rebâtir contrat. Là, on bâtit contrat. Nèg met tête ensemble, on dit par le fait que Jovenel Moïse te fait perdre barrette cob pendant qu'elle te coupe contrat. De mois de mai 2020 à comme Simdadjou à 7 juillet 2021, ça vient pas en pas 4 mois. Nèg dit Pascal, faut que nous tout monter gaz là pour nous tout doubler cob là. Où on s'est passé Pascal? Nèg vient faire 2 dollars américains depuis avant gaz arrivé dans pont plan, peuple haïtien. Où on s'est passé? Aujourd'hui là quand on m'a parlé là, Pascal, nèg yo fait 90 millions de dollars américains chaque mois dans gaz dans pays d'Haïti. M'vle comme chérif Abdallah dit nous même qui dans média en ligne là, n'a pas menti, m'vle monsieur voye mandat ban moi pour nous prouver papa ici en ça Pascal. 90 millions de dollars américains qu'il a fait depuis environ 17 à 18 mois Pascal sous le peuple ça. Oui, et ben c'est comme ça oui, jodi a qui a séparé et en tout et oligarque tout monde qui était dans tué président parce que jodi a là ça pour peuple haïtien qu'on est à partir de chiffres ça yo l'on prend 42 millions de dollars et chaque mois avec 10 sous et commande gaz là sans gaz là pour qu'on même rive dans terminal ça veut dire depuis dans commande là l'on va de 500 ça bon 500 millions de dollars pendant un mois pendant une année chaque année et l'on prend 2 milliards pour 5 ans au mandat en président qu'on y a demandé est-ce que ce problème l'argent qui gagne dans le pays qui fait map mal vivre. Mes amis, ah Pascal, yon tout pays pauvre, yon tout pays pauvre, tout le monde pas manger, pas de l'hôpital, pas de. Haïti pauvre, et puis, tenez bien, vous êtes 4 milliardaires chaque 5 ans. Est-ce que vous comprenez ça, Pascal? Oui, ça veut dire, est-ce que c'est problème moyen économique, est-ce que c'est problème l'argent qui fait aujourd'hui, si le monde pas capable de joindre l'école, puis à l'école normale. Parce que, il y a des sections communales dans le pays, là. Si le monde. À l'école, c'est l'école en tache pâle, ni ce bagaille fait cocoyer. Si t'as sous bloc. Dans zone nan pran, sous bloc, oui. Là, dans la ville, pendant le président, gon paquet l'école là, tout bon en dans l'école publique, ça, tout bon au crase, l'école est dans mauvais état. Eh bien, pendant le temps tout comme ça, oui, l'hôpital salte pour président, moun ap moun rengou, pas aucun programme social, programme d'apaisement dans le pays, ça veut dire, yon toujours ap dit, pas de moyen pour. Moun bien vive. Pas de moyens pour augmenter le salaire des policiers. Oui, payant pas. Pas de moyens. Pour Green Bagger, qui mette dans chaque haïtien. Puis augmenter le salaire aux médecins. On attend aux médecins résidents à toucher 12 000 combien de gouttes. Aux médecins résidents dans l'hôpital général à toucher 12 000 combien de gouttes. Et ils ont retiré là-dedans. Et ils n'ont pas même balil.
Eh bien, pendant yon seul nèg, li leve tout comme ça, abi mette nan pocho, et comme ça, c'est pas comme ke yo, nan sa yon point yo kitan dans pays ya, c'est des comme yon mette nan gros banque à l'étranger. Et jodi ya, abi, jodi ya la pou nan situation difficile ça, jodi ya fok nou pa kite bataille, sanction, bataille jodi ya. Pour comme ça nous récupérer pour bien avec ça nationaliser mettre dans patrimoine l'état pour servir nation nous pas la bataille ça gros bataille ça qui dans intérêt pays en main et communauté internationale là pour ces communautés internationales là cap jouer avec des joueurs. Non, c'est non. Nous pour prendre bataille ça en main et pour nous dire l'argent ça c'est l'argent qui nous a été coupé pour nous. Il a été coupé poche nous prend et c'est l'argent faut que nous menions une grosse bataille sur terrain, ça veut dire pour nèg ça aller devant tribunal et pour bien nèg ça nationaliser entrer dans patrimoine de l'état haïtien parce que tout gros building que au fond c'est capable gagner dans pays là. Nous capable joindre. Effectivement. Il y a des bagages gagner dans pays. Yo ka venu même sous tendre investir à l'étranger. Yo gen gros caillon dans pays là parce que lorsque on t'a craser quartier populaire craser toute zone yo ou vinn faire zone de non droit c'est pendant yo même yo t'a monter dans les hauteurs en l'air exactement eh bien, je dis à Kaisa au qui dans hauteur ou eh bien, nous ka prendre oui parce que pour payer oui l'argent c'est l'argent pays a oui eh bien c'est ça qui fait faut des batailles qui fait pour nous mettre camper l'état et pour nous mettre camper l'état première étape là c'est mener la grande mobilisation s'il le faut utiliser les mêmes moyens extra légaux pour être capable d'échouer Ariel Henry côté l'IA. Parce que c'est lui qui a protégé pour le moment. Exactement. C'est lui qui a protégé. Et deuxièmement, bon bataille pour demander. Pour nous dire, Madame Lalim n'a pas placé dans le pays. Négatif. Parce que Madame Lalim, comme responsable des Nations Unies dans le pays, il y a un président qui a assassiné devant. Et malgré le président assassiné pendant là, lui-même n'a pas eu l'homme levé de titre pour demander dans le Conseil de sécurité pour bon commission d'enquête internationale qui peut faire lumière sur ça. Ça veut dire, Madame Lalim, il faut chasser Madame Lalim avec tout Ariel Henry. Effectivement. Et là, nous finissons chasser Mounsayo, nous pouvons venir avec une équipe qui est crédible pour nous remettre campé institution démocratique. Premièrement, nous mettre campé la justice. Et là, nous finissons campé la justice avec des juges crédibles et compétents. Et pour nous commencer à traîner devant le tribunal. Et je dis, nous connaissons, même si nous allons de tous côtés aller, il faut que nous fassions des démarches diplomatiques. Mettez mandat à travers Interpol et pour les gens venir répondre avec question la justice haïtienne. Parce que nous ne pouvons pas question de sanction, non? Parce que si la communauté internationale a voulu aider nous, ce n'est pas sanction seulement, ce n'est pas sanction qui a fait. L'État vient avec l'ISLA et l'État pour aider nous mettre la justice pour camper. Parce que comme on comprend nos sanctions, nous prenons bien les gens. Est-ce que des gars qui ont fait des crimes que les gens ont fait avec, est-ce que c'est la société canadienne qui est victime ou bien la société américaine? Non. C'est la société haïtienne qui est victime. C'est nous qui pouvons juger les gens et pour les gens répondre avec les actes qu'ils commettent. Et la société a dû aller loin. Il faut qu'il y ait des pétitions signées pour demander, je dis, pour déporter petit nègre, voyons dans le pays. Et ce n'est pas seulement pour nous caper une pétition pour déporter petit et pour nègre, ça y est, juger. Pour ça, fait parce que je dis à si tout le monde appauvri, le monde vit dans la pauvreté, non seulement il y a un cob qui revient nous de loin, il y a coupé coup nous, et qui s'est fait encore, il y a utilisé un ZAM pour continuer à prendre l'argent dans la population qui s'est ZAM kidnapping. Nan. Je dis à un monde même qui est victime de question kidnapping, qui a appauvri dans la question kidnapping, ou doit préparer dossier pour aller déposer plainte pour toute les communauté internationale sanctionner. Parce que l'on veut camper l'État. Faut que les gens qui sont victimes de viol dans les kidnappés dans le quartier populaire, ils font même bagaille là. Les gens qui sont morts qui assassinés dans le pays, il faut qu'ils fassent même bagaille là. Parce que je dis, nous ne pouvons pas quitter le crime, ça est impuni. Je dis, nous avons tué le président, et puis nous faisons un genou, nous avons gardé les gens. Et les gens continuent avec la machine dans moi, ils ont tué leurs citoyens dans le pays. Et bien c'est parce que nous étions en camp, non? Si nous commençons à passer à l'action, nous montrer, nous déterminer, si les gens pas voulu paraître devant la justice pour répondre, premièrement, avec assassinat président Jovenel Moïse et tout l'autre monde qui est aux causes qui mourit en dans la société. Et bien, si ce n'est pas ça nous fait, moi, dis-nous, nous avons campé, nous avons nous et nous avons continué de tuer nous, graine par graine. Pour nous stopper, machine non mort ça en dans le pays, c'est camper face avec tout oligarque corrompu et forger des déchoucailles ciblées qui fait en dans le pays. L'aime parler des déchoucailles ciblées, c'est des choucailles qui visaient. Taille oligarque corrompu qui visait taille tout politicien qui était cap supporté et cap joué mon côté en de pays. Effectivement. Et pour nous finir, parce qu'on a fini avec point ça, pour nous dire, papa ici. Je dis à nous-mêmes, dans la plateforme YouTube InfoBeto,
nous prenons responsabilité. Il y a des gens qui disent que c'est risque. Mais pour nous, pas risque parce que c'est une responsabilité qui est liée pour une bataille, pour nous des pays. Nous sortir dans la situation qu'elle trouve là pour nous, que nous capables de tourner la caille, pour nous vivre bien la caille. Parce que là, nous sommes haïtiens. Là, nous sommes sénégandais. Pour nous regarder comment un groupe criminel a tout petit paysan nous. Qui produit des lames, des patates, des yams, des manioc. Ils ne peuvent pas venir vendre n'importe quoi. Ils ont une équipe saturée, toute rentrée capitale avec gang. Et bien, quelque part, c'est nous-mêmes écrasés. Parce que nous-mêmes, nous sommes en province. Par nous, nous avons voyé Johnny pour nous, Pascal, chaque week-end, chaque 15 jours, pour nous capables de manger, pour nous aller au lycée, pour nous aller à l'école, pour que nous soyons capables de vivre côté niveau là. Nous sommes bloqués, paysans, nous, et bien justement, c'est nous bloqués. Et bien, nous suspectons. C'est nous bloqués. Effectivement, c'est nous bloqués. Ou l'on parle de vous autres, la Syrie. Il y en a pas bientôt, quand on parle des paysans, l'on bloqué paysans ou bloqué moteur pays. Ou moteur pays. Parce que paysans, c'est eux qui représentent moteur pays, moteur développement pays. Parce que sans paysans, pas les pays. Effectivement. Eh bien, justement, Pascal, n'a pas freiné la sec quand vous n'avez pas connu, n'a pas campé sec là. Effectivement, n'a pas tourné après-midi avec dossier ça. Parce que dossier ça, l'hypoco fini, Pascal, nous prenons approfondir l'enquête, nous prenons plus de détails, plus de dossiers sous nec ça. Parce que nous commençons, il y a un pile de nous commençons à venir dans le moment où nous parlons là. Monsieur, vous avez l'autre dossier pesé sous lui, nous parlons elle. Nous parlons elle. Vous songez, vous manifestation que t'as fait et en d'apporte au prince, gardez toi moun qui t'a passé bon. Local et côté consulat, monsieur Aïe. Moun sa yot en train de consulat. Jusqu'à présent, pas de moun qui contraste moun sa yot côté passé. Yo disparaît yo. C'est comme monsieur te oblige ba yot te casse dossier sa pour lui. Ça veut dire monsieur te disparaît tout moun sa yot. Et les journalistes entrés, yot te wet rassant en dans consulat, monsieur Aïe. Et jusqu'à présent, aucune explication sous assassinat moun, disparition moun sa yot que Jérif Abala te fait en dans pays. Parce que je dis à nous clair, n'ap campé là. Pour nous reprendre bataille la pita, je dis à vous autres, disons bagaille, nous devons prendre risque. 6 ans, 7 nous, pas de prendre risque, je dis à nous, pas de faire 1804. Justement. Et c'est 1804 ça, que oligarque corrompu avec international la FNPIA, et bien je dis à, pour nous faire l'autre 1804 en d'un pays, pour nous bailler pays, on l'autre indépendance. Parce que je dis à là, nous prenons l'indépendance en amène, et bien tout le monde doit faire des sacrifices. Eh bien, si vous ne faites pas sacrifice, vous êtes prêté dans la classe côté. Et je dis à nous, les gens qui ont goûté tombé, les gens qui n'ont pas goûté et tombé, eh bien, vous n'avez pas d'autre choix. C'est goûté pour goûté. Et si vous n'avez pas goûté, vous n'avez pas stoppé van sans ça, vous n'avez pas stoppé la misère dans le pays, vous n'avez pas stoppé et grand goût, eh bien, il y a une façon pour stopper. C'est camper goûté et camper goûté. Et lorsque vous goûté, mettez-vous en position pour bailler réponse avec l'adversaire. Eh bien, c'est ça qui a fini pour nous dire bientôt. Je dis à nous, pas dire grenadier à la sauce qui mourit, ça fait la yo. Et bien, grenadier à la sauce qui mourit, n'a vengé yo. N'a vengé yo, très bien. Et bien, Kébé la Pascal, rendez-vous cassé exactement pour après-midi pour nous faire suivi de dossier ça. Et nous allons approfondir l'enquête, nous pour nous donner plus de détails pour nous porter pour faire mes amis plateforme YouTube et Foubette yo. Kébé la Pascal, à tout à l'heure. Pas un problème. Très bien. Voilà, ensemble avec nous, c'était exactement Pascal. Depuis dans la Coupe d'Haïti, nous avons parlé de dossier assassinat président Jovenel Moïse. Effectivement, nous arrivons exactement sous dossier. Oligarque corrompu, ça nous a plein. Effectivement, qu'a plein. Oh oui, il a parquisé médias en ligne qui a fait mentir sous lui. Je dis à Chérif Abdallah, ça que m'a dit ou même capitaine qui a regardé là. L'opte d'émission ça yo. Sous plateforme YouTube Infobeto, sous Tax 69 avec Foucault, sous Boustadion TV Madame Sala. Et bien attention, Jimmy Mouna fait bon TV, Tchiko Pepla, parlez Haïti. Et ça suffit, mais toute l'autre plateforme médias en ligne qui a fait travail là pour payer. Partagez l'émission sur tout groupe WhatsApp, tout groupe Facebook, avec tous les amis qui nous contactent WhatsApp pour une façon pour nous faciliter les paroles, ça arrive dans les oreilles criminelles pour nous faire sentir que nous avons battu ensemble avec elle et nous avons battu à tous les niveaux. Parce que nous n'avons pas de monde, c'est des criminels nous qui ont mais justement nous comprenons et nous avons battu ensemble avec eux. Nous avons ciblé, nous. Nous avons ciblé effectivement les médias en ligne. Et bien, les médias en ligne, c'est lui-même qui font révolution dans les médias, justement, qui a fait des peuples pour s'habiter à tous les niveaux. Peuple haïtien, moi, maintenant, pile, nous sommes contents ensemble avec nous. Info bête aux amis, pas nous, cavalier pour le canon. Nous avons des petits paysans, même j'avais nous. Paysans qui ont bataillé pour la vérité dans sa qui pour eux. Avec l'assassinat président Jovenel Moïse, parce que nous croyons que c'est avec la vérité d'assassinat président Jovenel Moïse et que nous sommes capables d'aider pays ça, sortir exactement dans la situation qu'elle trouvait là. Moi, maintenant, pile, Kébé là, rendez-vous cassé et pour notre émission. Info bête aux amis, pas nous.